Saint-Gall, la métropole du textile de la Suisse orientale, a aussi marqué l'histoire du pays voisin d'Appenzell. Depuis toujours, les habitants de la région des Préalpes, au pied du Sentis, ont dû travailler durement. Très tôt déjà, les habitants ne pouvaient plus vivre uniquement de l'agriculture. C'est pourquoi, dès 1800, on tissait ou on brodait dans chaque maisonnée. Au fil du temps, les Appenzelloises et Appenzellois se sont affirmés comme des artistes du fil et de l'aiguille. Leurs étoffes fines et leurs luxueuses broderies étaient presque exclusivement destinées à l'exportation. Le travail à domicile procurait à une grande partie de la population une large autonomie. Et cela explique sûrement que cette région a pu, jusqu'à aujourd'hui, conserver son authenticité et ses traditions. L'Inalp, au début de l'été, illustre l'attitude respectueuse envers les traditions des paysans d'Appenzell. En ce jour de fête, ils forment un cortège ordonné. Ils exhibent avec fierté leurs possessions et revêtent leurs plus beaux costumes. Des images et des sons à peine altérés par le temps. Un rituel impressionnant, venu du fond des âges. Et la preuve qu'ici, les hommes vivent en communion avec leurs bêtes et avec la nature. Une petite exploitation alpine au beau milieu de l'Alpstein. Le vacher confectionne le fromage suivant des gestes ancestraux. Une recette transmise de génération en génération, l'Appenzeller est aujourd'hui, et au-delà des frontières, un gage de qualité et de goût authentique. La confection du fromage sur l'alpage est devenue rare. Ici aussi, les temps ont changé, avec plus de lenteur peut-être qu'ailleurs. Le pays d'Appenzell, petit et soigné. Une région qu'il vaut la peine de découvrir. Un pays où les hommes prennent encore le temps de cultiver l'amitié et de faire la fête. Le Hirik, une danse traditionnelle pantomimique, fait partie de toutes les Alpstobete, la fête de la mi-étée des vachers. En été, le touriste découvre une nature idyllique aux multiples facettes. Ici, les chemins pédestres bien balisés attirent le promeneur. Là, le téléphérique l'emmène au sommet du Sentis, qui culmine à 2500 mètres. Repos dans un paysage alpin, du temps pour respirer, du temps pour vivre. Le retour à la vallée se fait à pied ou, pour qui préfère, confortablement installé dans la cabine du Kronberg, de l'Ebenalp ou du Hohenkasten. Au creux des collines aux pentes douces se trouve le village d'Appenzell. La fête Dieu, qui remonte à l'époque baroque, est, pour les Rhodes intérieurs, un jour tout à fait à part. Le peuple est marqué par son histoire, son paysage, mais aussi par le sentiment religieux. Pour honorer le Tout-Puissant, les femmes revêtent leur tenue de fête qui reflète cette époque glorieuse où les fines broderies à la main d'Appenzell étaient appréciées dans le monde entier. Prière, musique et intention à ciel ouvert, une journée placée sous le signe de l'Église catholique. La procession des fidèles, avec à sa tête les membres du Conseil d'État et les représentants du tribunal cantonal. Chaque vêtement, chaque uniforme, chaque drapeau a une signification propre. Cette éminente fête religieuse se termine par la bénédiction dans l'église d'Appenzell. Durant 3 siècles, les ermites habitaient, dans le pays d'Appenzell, un lieu encore rempli de mystères, le Wildkirchli. Les fouilles menées dans les grottes de Wildkirchli ont permis de découvrir des vestiges datant de l'âge de la pierre.
Les immenses parois de pierre abritaient avant tout nos ancêtres contre le vent et la pluie. Aujourd'hui, elles défient les alpinistes et surplombent de façon saisissante l'auberge de montagne Échère. La région est également un paradis pour les adeptes du parapente, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Le pays d'Appenzell, comme prédestiné à un tourisme serein, calme, de beaux hôtels et des spécialités culinaires, dans un paysage qui, par tout temps et tout au long de l'année, exerce son charme particulier. Fabrication du hackbrett dans un petit atelier près d'Appenzell. De nombreux Appenzelloises et Appenzellois semblent avoir un goût inné pour le travail manuel et la musique folklorique. L'un et l'autre sont les fruits d'une longue tradition et se sont développés lentement. Ils accompagnent les habitants en de nombreuses cérémonies religieuses et laïques, mais également dans la vie de tous les jours. Préparatif pour un événement particulier, le Silvesterklausen. Cette fête hivernale montre merveilleusement avec quel respect et quel sentiment profond les traditions sont cultivées ici. Les origines de cette mystérieuse utilisation de masques remontent à des temps anciens. Ce qui se joue ici avant la nouvelle année, dans tout l'arrière-pays d'Appenzell et dans la vallée d'Ourneche, le 13 janvier suivant le calendrier julien, est un spectacle unique pour les yeux et les oreilles. Les chemins de fer d'Appenzell permettent de sortir du brouillard et de pénétrer dans les paysages enneigés. Ici, on n'économise ni le temps ni le repos et l'on reprend des forces loin du flot pressé des skieurs des grandes stations. Qui cherche l'évasion trouve ici son bonheur. De bons restaurants, les plus belles pistes de ski de fond et de ski alpin. Mais ici, avant toute chose, on prend le temps de cultiver l'hospitalité dans un décor somptueux. Autre caractéristique d'Appenzell-Rotz intérieur, la Landsgemeinde. Pour un grand nombre, ce jour-là est le plus beau de l'année. La plupart des habitants viennent à pied des petits hameaux et des villages entourant le chef-lieu d'Appenzell. C'est ici, dans le ring, que les citoyens se rassemblent. Ils y décident des affaires, élisent les membres du Conseil d'État et prêtent serment avec solennité. Wie es mir vorgelesen und eröffnet worden ist, das will ich wahr und stets halten. Le pays d'Appenzell, une région unique, peuplée d'habitants uniques. Ici, on innove avec une grande imagination tout en respectant les traditions. Ils sont fiers, les Appenzelloises et les Appenzellois, de leur paysage
et de leur culture qui s'est développée au fil du temps, et ils ont raison de l'être. Nulle part ailleurs qu'en Appenzell, le touriste peut découvrir un si grand nombre de sensations dans un espace aussi minuscule, et cela dans un décor incomparable de tranquillité, de beauté, et où l'on sait encore prendre le temps de vivre.